Alors, bonsoir. Nous allons commencer donc notre rencontre. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos deux écrivains et remercier donc le public, les personnes qui ont pris la peine de se déplacer pour nous écouter et aussi les gens qui nous suivent en ligne. Alors, peut-être que je vais commencer d'abord par rappeler un peu le cadre, le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Donc, en 2020, la francophonie institutionnelle a fêté ses 50 ans. Elle a été imaginée par de grandes figures des luttes pour les indépendances, comme le président poète Léopold Sédar Senghor ou le président tunisien Habib Bourguiba. C'est ce que nous rappelle Laïla Slimani dans son mot qui accompagne la présentation du Congrès mondial des écrivains de langue française, qui a été initié donc par elle avec Michel Lebris. Michel Lebris, donc, et s'il nous a quittés, récemment quittés, nous lui rendons aujourd'hui hommage par l'organisation pendant ces deux journées, les 25 et 26 septembre, du Congrès. Lui qui a créé en 1990 Étonnant Voyageur, qui est justement donc, l'instigateur de tout ce Congrès, organisateur donc. Donc Lebris, Michel Lebris, était organisateur du Festival littéraire de Saint-Malo et aussi de ce congrès. Donc sans plus tarder, nous allons donc vous embarquer une heure durant dans le monde de la poétique et de la langue, élément sine qua non de l'alchimie de la littérature. Alors, pour échanger autour du thème de notre congrès, que signifie écrire en français et surtout le thème de notre rencontre, le poème de la langue. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, donc je vais commencer par les dames d'abord, et les poètes juste après. Alors, donc, l'écrivaine rwando-française Beata Mbembeye, je ne sais pas si je prononce correctement, voilà, donc Mérès, et l'écrivain et poète turc d'expression française Şeymus Dektakin. Nous n'oublions pas le poète Yvan Lemen, donc qui devait être avec nous, mais qui malheureusement, en raison d'un petit malaise de santé, n'a pas pu se déplacer et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Alors, Beata, je voudrais d'abord, et chez Moussa aussi, hein, avant d'échanger autour de la poésie et de la poétique de la langue, si vous deviez vous présenter au public tunisien et partout dans le monde, étant donné qu'on nous suit aussi en ligne, que pourriez-vous leur dire? Que doivent-ils retenir à votre sujet et au sujet de votre œuvre? Bonjour à toutes et à tous. Merci Hind Soudani pour cette introduction. Je suis ravie d'être là et de parler de poésie et de langue. Si je devais me présenter, je suis une femme qui est née et a grandi au Rwanda, un tout petit pays qui a été absolument absent dans la connaissance et l'imaginaire du monde jusqu'à 1994. Très peu de gens avaient entendu parler de ce pays et nous sommes rentrés dans le regard du monde par un événement terrible, le génocide contre les Tutsis auquel j'ai survécu et suite auquel je suis arrivée en France. Je suis devenue écrivaine sur le tard à 30 ans passés, mais j'ai été une lectrice précoce et je peux dire que la littérature, que les mots, que la poésie m'ont littéralement sauvé la vie et aidé à vivre mon existence à la fois dans l'exil qui a été l'arrivée en France et ensuite dans les différentes étapes de ma vie. Je suis novelliste au départ, donc j'ai écrit des recueils de nouvelles. J'ai eu beaucoup de timidité à m'affirmer comme poétesse et jusqu'à présent je ne me considère pas vraiment comme poétesse, même si j'ai commis un recueil de poèmes en prose et depuis peu aussi romancière. Et mon dernier roman, Tous tes enfants dispersés, a été lauréat 2020 du prix des cinq continents de la francophonie, d'où ma présence ici aujourd'hui et ma joie d'être en Tunisie. Merci Beata. En tout cas, cette rencontre sera l'occasion de vous écouter après, nous lire quelques poèmes et peut-être, voilà, ça sera la révélation de cette rencontre. Alors, Şeymus,
Vous avez donc reçu le prix international de poésie francophone, Yvan Goll, en 2000, le prix de l'Académie française Théophile Gautier en 2008, et votre premier roman, paru en 2004, a reçu la mention spéciale du prix des cinq continents de la francophonie. Si vous deviez donc vous présenter à notre public tunisien, qu'est-ce que vous pourriez aussi donc dire de vous, de votre vécu, de votre expérience et de votre écriture ? Alors, c'est vrai que pour... qu'est-ce qu'on peut faire pour présenter un poète, hein, lire un poème, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous voulez qu'on commence par là ? Ah oui, bien sûr, les remerciements, bien sûr. Une pensée, bien sûr, pour Michel Lebris. Une pensée pour Yvon Lemaine, qui j'espère, donc... c'est juste une petite fatigue qu'il a. Il est présent avec nous par voilà. Donc, son œuvre. Voilà, donc c'est une petite fatigue. Il va se remettre très vite et il va parcourir le monde de nouveau avec sa magnifique poésie. Et aussi, donc, merci à vous et merci à ceux qui nous écoutent. Sinon, c'est vrai qu'enfin, nous sommes tous nés quelque part et nous allons tous arriver quelque part. J'ai l'habitude de ne pas me définir. Enfin, nous avons tous une provenance et j'espère que nous mériterons avoir une destination. Et c'est ce, il faut essayer d'être à la hauteur de ce qui nous attend. Je dis qu'il n'y a pas de paradis perdu. Les paradis perdus des uns, ne sont pas les paradis perdus des autres. Et c'est là-dessus que malheureusement on commet des guerres et des crimes, et que le monde est trop petit, et que puisqu'il n'y a pas de paradis perdu, mais il peut par contre y avoir un avenir que nous pouvons construire ensemble, un avenir où toute l'humanité trouve sa place, d'où qu'il vienne, de quelque culture qu'il soit. Et que ça, c'est une urgence à laquelle la poésie, la création ne peut pas rester indifférente. J'ai vu un corps de lait aux cheveux de braise qui résonna avec un regard fixé sur mes entrailles, dit-elle. Le fruit que tu manges sera celui que tu enfanteras. Pour glisser une mince feuille entre résister et exister dans ce concert des nations sur les rondeurs de la belle. Nous mourons d'un feu si doux, tombant de nos mains sur la belle, qui à chaque mouvement s'effrite un peu plus dans nos pupilles et ne refait surface sur les feuilles. Je ne vois rien bouger chez vous, dit-elle. Je passe et les mêmes murs parades enlèvent à chaque passage une couche à votre parole, une couche à ma vie, alors que je suis petitement miraculé, petitement trou pour l'aboutissement des miracles. Entre nos mains passeront des feuilles, entre nos dents pousseront des berges qui viendront se renouveler d'une année l'autre dans l'écrissement de la belle. Mais bien sûr qu'elle a entendu parler du parfumeur, des couleurs passées de ses étoffes, de son perroquet qui ne dit rien des parfums, de son rossignol qui vient se gargariser dans le même flacon, de sa bergère flasque qui n'enfantera plus de troupeau. Mais chacun est un peu parfumeur à la fin de sa parole, chacun un peu étoffe qui ne voilera la pupille, pour que se retrouvent dans le même trou, dans la même parole, et le roi, et le perroquet, et le parfumeur, qui ne saura cacher quelle étrangeté de quelle étoffe. Mais le temps est un peu à l'image de ma jambe qui boite, dit-elle. Comment irais-je dire à la jument que le perroquet s'est moqué du parfumeur pour l'éloigner et faire main basse sur le flacon où le rossignol venait cacher son chant, qui était une autre manière de dire la détresse et la belle. Mais voilà, le parfumeur passera par là, embaumera un peu la belle, un peu le rossignol, pour que le chant de l'un soit l'exacte réplique des trous de l'autre et que nos murs restent la perte des deux dans nos feuilles qui ne dégraderont la parole. Lumière se rêvera un peu verbe, ira se perdre dans un creux, prétextant d'en faire le tour. Bouquet se voudra l'incarnation d'un juste cri entre rossignol et parfumeur. Flamme se voudra le sang de la bûche et la langue embrasera gosier et son.
Les uns crieront terre, les autres mer. Entre terre et mer, nous érigerons d'autres murs qui ne seront réceptacles de larmes ni étouffoirs de cris. Langue est en même temps mur. Chair est en même temps pourriture qui donnera terre. Trou est en même temps perte et retrouvaille du parfumeur, du perroquet, du rossignol, du cri et de la parole. Ce qui tue la belle fera de moi une brique dans le mur. Ni perte ni retrouvaille n'érigeront de nouveaux remparts dans les peaux de la belle. Mais les murs sont une autre manière de dire nos servitudes, dit-elle. Je continuerai après. Merci pour ce beau poème. Alors, Beata Mbeye Meres, je me retourne donc vers vous. Donc, comme vous l'avez souligné, à l'âge de 15 ans, vous échappez au génocide des Tutsis. Donc, le thème de la mémoire, de l'identité, de l'exil. Donc, ces thèmes-là sont essentiels dans votre œuvre, notamment dans votre roman « Tous les enfants dispersés », donc, que vous pouvez voir ici, donc, pour les présents. Alors, donc, votre roman décroche, donc, comme vous l'avez souligné aussi, donc, le prix des 5 continents, mais aussi le prix Éthiophile. Dans l'introduction aussi de votre recueil de nouvelles, vous expliquez comment vous avez dû renier votre langue maternelle pour sauver votre vie. Ceci étant, vous affirmez, et là je vous cite, le Kinyarwanda est ma langue maternelle et j'y suis extrêmement attachée. C'est une belle langue qui a produit une poésie orale ancienne et raffinée. Et là nous sommes en plein dans la thématique de notre rencontre qui est la poésie de la langue. Donc, dans le synopsis que les présents peuvent découvrir, je ne sais pas si je l'ai là, je vais vous le montrer donc, dans notre programme. Donc, il est souligné donc, il est affirmé que chaque langue possède son propre universel mental, sa propre poésie. Et on choisit d'écrire en français. Trouvez-vous que le français est plus poétique que les autres langues, ou c'est peut-être votre langue maternelle qui l'est? Ou est-ce le vécu que nous rattachons à une langue qui fait la différence? Vaste question. Mais excellente question. Je ne pense pas qu'il y ait de langue plus poétique qu'une autre. Il me semble vraiment que la poésie, j'écoutais il y a un instant mon ami Samichak qui disait son rapport au français et que sa langue maternelle, c'est sa langue des tripes. Je pense qu'il y a vraiment de ça. De là où on parle, quand on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'expression, du sentiment puissant, généralement, ça vient de là, de cette langue-là. Et évidemment que quand on va l'entendre, cette langue, surtout si on a un parcours d'exil qui nous a fait quitter cet environnement linguistique et apprendre à vivre dans une autre langue, ou en tout cas être majoritairement entouré par celle-là, on développe une nostalgie incroyable par rapport à sa langue. Et quand on revient, c'est comme un bain, quoi. C'est presque comme... parce que la langue, c'est la langue maternelle, c'est ce qu'on entend quand on est encore dans le ventre de notre mère. Et donc, c'est comme un liquide amniotique de mots qui va nous accompagner toute notre vie et dans lequel on va se sentir bien jusqu'au bout. En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau roman et une des thématiques est celle de la fin de vie quand les personnes, notamment les personnes qui immigrent et qui vont vivre toute leur vie dans une autre langue, l'apprendre et quand elles sont atteintes d'une maladie neurodégénérative ou une maladie comme Alzheimer, il se fait que de plus en plus d'immigrés aujourd'hui oublient les langues apprises. Disons, une personne qui a quitté la Tunisie, dont l'arabe était la langue maternelle, et qui arrive en France, qui fait toute sa vie en France, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui oublient le français et reparlent leur langue maternelle. S'ils n'ont pas transmis cette langue à leurs enfants, c'est pour moi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai compris que c'était aussi ce qui risquait de m'arriver dans la mesure où je n'ai pas appris le Kinyarwanda à mes enfants, jusqu'à présent, je ne perds pas espoir, je me suis rendu compte de ce qui se passait quand je parlais de « c'est le début et la fin de la vie ». Donc, il n'y a pas de langue plus poétique qu'une autre, mais il y a une langue plus viscérale en fonction de chacun, chaque individu. Maintenant, en tant qu'écrivain-écrivaine, on apprend une langue, deux langues, plusieurs langues. Ce sont
des langages. Et le jour où on se met à écrire, on se met à rentrer dans la littérature, il faut trouver sa propre langue, sa langue individuelle, sa langue d'écriture. Et à ce moment-là commence un ballet, une danse avec, pour moi, la poésie, qui est quelque chose que, au fur et à mesure qu'on déploie son œuvre, va pouvoir être à un moment donné reconnaissable, et on sait que ça, c'est votre langue. Pour moi, effectivement, j'écris en français, mais le Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, qui est une langue que je ne serais pas capable, par exemple, d'écrire. Je ne serais pas capable d'écrire de la poésie en Kinyarwanda. C'est resté langue domestique, celle que je parlais à la maison enfant, celle que je parle encore avec les membres de ma famille encore en vie rwandophone. Mais j'ai appris à écrire, à lire en français. Et je voudrais juste faire une parenthèse, parce que je ne sais pas si ça va être fait aujourd'hui ou demain, mais on est tous ici et toutes en train de parler de notre rapport au français, etc. Je voudrais qu'on rende un hommage aux institutrices et instituteurs qui nous ont enseigné cette langue à un moment donné dans notre vie. Il se fait que moi, mon institutrice, j'étais dans une école internationale belge. Il y avait une seule institutrice française dans cette école belge, tous les autres étaient belges, et c'est cette femme qui m'a appris le français, qui m'a appris à lire, qui m'a appris à écrire. Et figurez-vous, et ça c'est un impensé pendant... Je racontais cette histoire quand j'ai commencé à être interviewée, qu'au moment du génocide, quand les tueurs sont arrivés, j'ai prétendu que j'étais française, ce qui n'était pas vrai, je suis devenue française bien plus tard. J'ai dit que mon père était français, ce qui n'était pas vrai, mon père était polonais, mais les tueurs, ils voyaient que j'étais métisse, que j'étais à moitié blanche, et cette affirmation-là, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement français de l'époque soutenait le gouvernement génocidaire, et là, on n'est pas en train de parler de la colonisation des années 60, on parle de 1994, donc ce rapport traumatique à un pays ou à une langue est plus récent pour certains d'entre nous. Parce que j'ai dit que j'étais française et que je leur ai dit « mais les Français sont vos amis, vous ne pouvez pas me tuer », c'est comme ça. Le français m'a sauvée, mais parce que le français représentait ce pays-là qui soutenait ces gens-là. Et je me suis rendu compte très récemment que ma maîtresse, je n'avais pas fait le lien, elle s'appelle Madame Sauvé. C'est son nom de famille, Michel Sauvé. Et voilà, et je voudrais rendre hommage à ces instituteurs et ces institutrices qui ont enseigné une langue à des enfants et qui n'étaient pas du tout dans une idéologie, dans un processus politique. C'était des gens qui avaient le goût et le plaisir d'apprendre cette langue-là, et nous leur devons beaucoup. Donc voilà, je voulais faire cet hommage-là. Et du coup, j'ai perdu le fil par rapport à votre question. Alors, la question, c'était, est-ce que, si vous vous trouvez plus à l'aise donc, pour écrire en français, est-ce que parce que le français est une langue plus poétique qu'une autre, ou parce que c'est le vécu, ce qui vous rattache à cette langue-là, qui fait que c'est votre langue de prédilection ? C'est le vécu, c'est parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux et dans laquelle j'ai découvert aussi la poésie, effectivement. Et parfois, c'est peut-être que la poésie est la forme la plus difficile à traduire, même s'il y a d'excellents traducteurs et traductrices. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage, parce que là, on est entre écrivains et écrivaines, il y a des éditeurs, des éditrices, mais les traducteurs et les traductrices, ce sont des artisans de paix, parce qu'ils permettent aux gens de connaître les autres. Et quand on connaît les autres, normalement, on est censé quand même plus les écouter, et bon, ça ne marche pas toujours. Mais donc j'écris en français parce que c'est la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise, même si il m'arrive encore de rêver en Kinyarwanda, je pense quand même de plus en plus souvent en français. Néanmoins, le Kinyarwanda, il est présent dans, peut-être, je vous lirai un extrait tout à l'heure, il est présent dans mon français, et ce n'est pas pour faire exotique, ce n'est pas pour faire couleur locale. C'est parce qu'il y a cette langue qui, elle est par exemple pleine de métaphores, de proverbes. Et
un proverbe en lui seul, c'est tout un monde. Et moi, qui au départ écris des nouvelles, j'aime beaucoup la forme courte qui peut être un condensé en quelques mots, en quelques phrases. On a tout un monde qui est là. Les proverbes permettent ça. Donc, je les rends présents. Mon tout premier recueil de nouvelles a... Mon premier livre publié a un titre en Kinyarwanda, parce que dans notre langue, alors il faut que je précise, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, pour les gens ici en Tunisie qui ne le savent pas, on a des pays qui ont été un peu créés de toutes pièces par la colonisation et où il va y avoir plusieurs centaines de langues. Le Rwanda est un des rares pays qui a exactement la même langue, le Kinyarwanda, dans tout le pays, qui est un petit pays, certes, mais le Togo, par exemple, dont on parlait il y a un instant, petit pays, 50 langues. Nous, on a la même langue pour tous les habitants. Et j'ai de nouveau perdu le fil, mais tout ça pour dire que le Kinyarwanda est présent et ce mot est Ejo, le titre de mon recueil, c'est le même mot pour dire hier et demain. Et c'est pas parce qu'elle est pas riche et qu'on n'a pas assez de mots. Ça veut dire quelque chose de rapport à la temporalité. Et je ne voulais pas le traduire parce qu'en fait, je voulais dire, voilà, le propos de mon texte était de parler de l'avant et de l'après. Il y avait un mot dans ma langue pour le dire et je l'ai gardé. Et finalement, c'est aussi l'occasion de faire connaître notre façon de voir le monde. Très bien, merci. Là, vous anticipez un peu sur la question qui va venir après, c'est-à-dire le fait que vous injectez un peu des termes, des expressions, des mots de votre langue maternelle dans le français. Mais je voudrais d'abord revenir très rapidement sur deux choses que vous avez dites. Je profite aussi de votre remarque pour saluer mes professeurs qui sont venus dans la salle que je vois d'abord, voilà, qui sont aussi profs de français, parce que je le suis aussi, donc voilà. Et puis... revenir sur la question de la traduction de la poésie qui est plus complexe, en tout cas plus difficile que le fait d'être traduit à d'autres textes, parce que c'est surtout les images poétiques qui sont difficiles à traduire. Et j'ai retenu de ce que vous avez dit une très belle image, celle du liquide amniotique, la langue qui est représente comme une sorte de liquide amniotique où on baigne. Donc, Sheymouth, je me retourne donc vers vous. Donc, vous écrivez en turc, en kurde et en français. Et on remarque que le thème de l'identité plurielle, de même que celui de l'exil, sont aussi présents dans votre œuvre. Pourquoi donc avoir, pareil, donc choisi d'écrire en français, surtout parce que le turc et les kurdes sont aussi là. Oui. Alors, c'est que c'est moi, je suis né donc dans un village kurde où il n'y avait que le kurde. Mais où il n'y avait pas de livres, mais où il y avait une grande poésie, une oralité. Et là, je viens de lire Mahabharata, qui est c'est un peu une lecture fleuve, justement. Et chacun de ces volumes, ces 18 volumes, commence par rendre... hommage à la syllabe om. Om. Et quand je lisais ça, c'est que moi j'ai grandi avec, dans donc ce village de montagne, avec à la fois dans la proximité de tous ces êtres, il y avait une sorte de porosité entre nous et ceux qui nous entouraient. Donc, quand on s'éloignait des maisons du village, on chantonnait pour s'accompagner, pour garder les chèvres, pour regarder la nature. Et le début de du chant, c'est... Donc, c'est le « om ». C'est la première syllabe de la langue, du mot. Tout à l'heure, je disais que nous partageons le souffle avec tous les vivants, le cri avec tous les animaux, et le mot et la syllabe avec tous les êtres humains, et que quand on écrit, il faut essayer
de relier ces trois niveaux-là pour que rien ne reste en dehors de notre attention, qu'on soit attentif à tout. Parce que c'est à travers l'attention à l'autre qu'on entre dans l'humanité, et quand on n'est pas attentif à l'autre, on peut l'écraser, on peut le malmener, on peut le tuer, on peut le brûler. Donc, et pour moi, écrire, c'est tenter d'être juste envers soi-même et envers l'autre. Et à cette justice, on peut arriver dans toutes les langues. C'est une sorte de... je me définis comme un être de passage et non pas comme un être d'exil. Moi, je ne connais pas ce que c'est que l'exil. Chacun est en exil quelque part. Voilà, nous sommes toujours en exil. Dès que nous quittons le... Tu parlais de liquide amniotique, matrice, nous sommes en exil. Mais rêver de retourner dans la matrice, c'est un vain espoir, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis, laisse Pénélope tranquille, laissez vos mères tranquilles, elles ont assez souffert, elles vous ont donné la vie pour que vous continuiez votre trajectoire. Ce n'est pas pour que vous essayiez de retourner sous les jupes de maman. Donc il faut bien prendre la vie à bras-le-corps et de continuer son trajet. Et ce trajet-là, on peut le faire partout dans toutes les langues. On n'est pas limité à sa langue première. Peut-être que quand on n'aura plus de mémoire, on retournera au mot de la mère. Mais en attendant, on peut faire tout un monde. Et ce monde-là, justement, c'est le monde que nous allons construire ensemble. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que il n'y a pas de langue poétique. Je dis, il y a poésie quand il y a rencontre de la musique intérieure d'un être avec la musique intérieure d'une langue. Et ça, ça peut arriver dans toutes les langues. Les grands poètes, sont le résultat de cette rencontre. Quand il y a Mahmoud Darwish, quand il y a Rimbaud, quand il y a Rilke, quand il y a Whitman, quand il y a tous ces gens-là, c'est qu'il y a une musique intérieure de l'être qui rencontre la musique intérieure d'une langue. Et ça peut, cette rencontre n'est pas limitée au niveau de la géographie, au niveau de la culture, ça peut se produire à n'importe quel moment, si on se donne la peine d'aller vers l'autre. Et je disais quelque part qu'en kurde, le mot étranger n'existait pas. Et tout de suite, les gens disent, mais alors, et le kharib, c'est quoi? Kharib, c'est gharib, hein, c'est le mot que vous utilisez aussi en arabe pour dire effectivement l'étrange, n'est-ce pas? Et que l'étranger aussi. L'étranger et l'étrange, justement parce qu'on a du mal à considérer l'autre comme notre semblable. Et c'est pour ça que dans toutes les langues, enfin les langues que je connais un peu, là, que ce soit en anglais ou en français ou justement en arabe, il y a même en turc, il y a ce mot qui rejette l'autre en dehors du cercle de l'être. L'autre n'est pas humain, l'autre il est barbare, l'autre, n'est-ce pas, chacun vient, se pose quelque part, entoure sa petite hutte d'un muret et dit « voilà, ici, ça c'est chez moi, et en dehors, c'est la barbarie ». Je dis, quand on n'a pas le courage d'habiter l'être, l'existant, sans les barrières, on se réfugie derrière ses frontières. Donc il faut là aussi se donner ce mal d'aller vers l'autre et d'occuper l'existant sans les barrières, sans les frontières, c'est ce qui nous fera exister ensemble, parce que nous avons aujourd'hui un besoin urgent de considérer l'autre comme notre semblable, notre frère, notre égal dans la trilogie républicaine, n'est-ce pas? L'égalité, c'est celle qui n'existe jamais, alors que sans l'égalité, on ne peut pas exister. Il y a Victor Hugo qui dit « il ne peut y avoir de rire franc qu'entre les gens égaux ». Donc, cette histoire de... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Il y a des langues qui ont produit plus de poésie. Il y a des langues qui ont produit plus de littérature. Il
y a des gens comme ça qui me disent « Et alors, puisque votre kurde, elle est si belle, pourquoi il n'y a pas de littérature ? Pourquoi il n'y a pas de kurde dans la collection blanche de Gallimard ?» Alors, c'était un écrivain turc qui posait cette question. Je dis « Alors, est-ce que c'est le général ou c'est l'écrivain qui pose la question ?» Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le kurde est interdit. Et dans une langue interdite, on ne peut pas produire de la littérature. Comme en Irak aussi. Donc voilà, ce qui fait que, mais quand on ne donne pas, alors que c'est cette histoire de sortir de la peur, l'autre n'est pas une menace pour nous. L'autre est la condition même de notre existence. Sans l'autre, on n'existerait pas. Sans l'autre, chacun resterait dans ça, justement, dans ses huttes, dans ses forêts, dans ses sauvageries. C'est parce qu'il y a l'autre qu'on s'humanise, qu'il y a rencontre, qu'il y a vie. Donc il faut aller prendre ce courage et aller à la rencontre de l'autre, et que la poésie peut exister dans n'importe quelle géographie et dans n'importe quelle langue. Merci. Là, vous m'aidez un peu pour la question suivante, en fait, puisque le kurde donc, est une langue plus ou moins interdite, et donc c'est l'oralité qui va un peu primer. Et vous savez que la question de l'oralité est une donne très importante pour la poésie. Et là, nous parlons de la poésie de la langue. Donc, en parlant d'oralité, de musicalité, de rythme, nous associons donc logos et pathos, donc le mot et le ressenti. On eut même chose. Et vous savez que, en parlant de langue, la langue a une double facette, donc l'oral et l'écrit, et que évidemment, l'oral précède l'écrit, et toutes les langues, les civilisations, les cultures ont toujours connu une phase d'abord orale avant la transcription. Que pensez-vous de la question de l'oralité, pour la poésie en tout cas ? Alors, je ne sais pas si... Oui, c'est comme tu veux. Si tu veux, tu... Si voudrais, ouais. Voilà. C'est que moi aussi, je suis... donc. Un alphabet, je disais, dans ma langue kurde. C'est une langue, là aussi, c'est la langue de ma maman, qui ne savait pas du tout lire ni écrire, mais elle savait sûrement parfaitement parler. Et je disais que les Kurdes, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de livres que c'était des gens incultes. Je parle des points un peu comme ça précis de mon expérience avec les gens du village, avec les vieux, avec les grands. D'ailleurs, à la source de la nuit, c'est un peu les grands nous disaient, hein, disent-ils. J'ai essayé de, c'est une sorte un essai de mettre un peu. Il y a Rumi qui est un Mevlana Celaleddin Rumi, qui est un très grand poète mystique, qui est un peu le fondateur des derviches tourneurs. En tout cas, les derviches tourneurs se fondent sur son œuvre pour exister. Et on lui aurait posé la question sur le sens de la danse des derviches tourneurs. Il aurait dit sur mon pied gauche, je me fixe, avec mon pied droit, je fais le tour des univers. Donc, à la source la nuit, j'ai essayé de poser un peu mon pied sur mon village pour que ça me serve d'un point d'appui, et essayer de faire avec le pied droit le tour de tout ce qui m'entourait. Et essayer de me limiter un peu ce qu'on disait, ce que j'ai entendu au village, mais qui, quand on le développe un peu, disons à trait avec la sagesse universelle qui est notre héritage commun à toute l'humanité, parce que c'est une géographie où a été cultivé le blé il y a 12 000 ans, là où l'écriture a été inventée. Gilgamesh n'est pas très loin, chaque région, quand on s'approche un peu, a de quoi se dire que moi aussi, je fais partie de l'humanité, de la grandeur, de sa grandeur, de son héritage. Et donc,
ne pas limiter à ne pas nous limiter nos perceptions de la chose à l'état actuel d'un être ou d'une géographie, mais essayer de prolonger, lui donner une profondeur, lui donner toute sa profondeur. Donc quand ceux qui disaient, par exemple, j'avais un oncle qui était parti vivre en ville et qui n'avait jamais digéré cette séparation, mais en même temps il avait honte d'en parler ou de faire part donc aux autres, qui fait qu'il se mettait en route, il contournait le village, il allait dans les forêts qui entouraient le village, et dans un coin de la forêt, il pleurait un bon coup, il regardait la nature, il assouvissait son besoin de village, et il retournait en ville. Et quelque part, après, donc, quand je suis venu ici en France, et ainsi de suite, j'ai fait une école de journalisme en Turquie, hein, j'ai pris l'ascenseur républicain, comme on dit, à la fois en Turquie et à la fois quand je suis en France, j'ai continué les études, j'ai fait des études de cinéma. Et donc Deleuze, hein, qui a écrit deux magnifiques volumes sur le cinéma. Donc après, j'ai essayé de m'imprégner un peu de la philosophie de Deleuze et de le lire plus profondément. Quelque part, il dit, en parlant de la création, il dit « la création, c'est comme un animal blessé qui se retire dans les profondeurs de la forêt pour y lécher sa plaie et guérir. » Et j'ai vu que cet état des choses correspondait complètement à l'état de mon oncle, qui, sans le savoir, était deleuzien. Donc, c'est pour dire que la sagesse, la profondeur, n'est pas juste réservé aux quelques-uns, mais que ça peut être partagé par le plus grand nombre. Et je suis un peu dans cet état d'esprit aussi quand j'essaye d'écrire, j'essaye d'agir, c'est pour que le plus grand nombre puisse se faire, puisse élargir son être à travers la poésie et la création. Très bien, merci. Et donc, si donc, l'écrit permet un peu d'élargir donc, le savoir et la connaissance, vous avez aussi dit que, justement, si vous écrivez en français, j'avais lu ça quelque part, ça permettait une ouverture sur le monde. Et je me tourne vers Beata. Et donc, vous, Beata, vous aviez dit, donc, c'est par rapport à votre langue maternelle, donc, c'est une belle langue qui a produit une poésie orale ancienne et raffinée. Et on sait que en Afrique, il y a beaucoup de dialectes et beaucoup d'oralité. Et c'est aussi la beauté de ces langues-là qui fait que... Est-ce que vraiment, et là je vous pose la question, est-ce que c'est la beauté des sons que vous avez dans votre langue maternelle qui fait que, et là je cite, je reprends votre expression, vous émaillez vos phrases françaises d'expressions et de mots en Kinyarwanda? Est-ce une manière de vous approprier la langue française, de lui donner une poéticité, je dirais même une littérarité qui vous est propre? Et donc là, ça ne serait pas l'ancienne matrice, mais ça serait une nouvelle mère que vous inventez, un nouveau monde qui serait le vôtre. Moi, je pense que tout ça, la littérature, la poésie, ça n'est utile que si c'est partagé. En écoutant Seymour parler, je me disais, mais il parlait de cet oncle qui était seul, je me disais, la poésie, c'est pas fait pour... En tout cas, moi, je me dis, c'est fait pour être partagé. Et je viens d'une culture de l'oralité. Et c'était donc la poésie orale, c'est toujours quelque chose qui se dit. Je lisais il n'y a pas longtemps... le dernier texte de Patrick Chamoiseau, mais il y avait d'autres auteurs antillais sur le rôle du conteur de nuit. Ce moment puissant où, après la journée de dur labeur, et en l'occurrence aux Antilles, c'était après la journée passée à travailler dans la plantation esclavagiste, les gens avaient
ce havre que leur offrait la nuit se réunissait pour partager des histoires, partager des mots, des langues, et donc se réaffirmer humain. Et c'est vrai que venant de cette culture, de cet univers où la poésie est forcément quelque chose qui se dit et qui se dit à des gens qui l'écoutent et qui sont là, c'est littéralement physique, on se regarde, on s'entend et on s'élève ensemble. Ensuite, je suis rentrée dans ce monde où finalement on a cette image très romantique du poète seul sur son rocher en train d'attendre l'inspiration et qui ensuite va griffonner jusqu'à plus d'heures et le livre va arriver et le livre on va l'avoir seul ou on va le lire seul, c'est complètement autre chose. Et moi, ça me parle moins. Je dis pas que c'est moins bien, je dis que ça me parle moins et que je me retrouve beaucoup plus aujourd'hui. Je suis ravie de voir toute cette jeunesse qui a investi ce qu'on appelle le slam, enfin ou en anglais spoken words, cette poésie qui se dit, qui se partage, qui se déclame, qui s'affirme. Et je pense que c'est là que réside... Il y a un poète, Georges Castéra, un poète haïtien qui disait, alors c'était en créole, moi je l'ai lu en français, « Tu me demandes ce qu'est la poésie, mon amour, ce sont des paroles semées pour culbuter le malheur. » Et je pense que quand on est face au malheur, quand on est face à ce qu'est la vie qui peut être semée de chagrin ou même pour partager les joies, la poésie est là pour justement l'affirmer, mais ensemble. Donc je n'ai pas répondu à votre question sur est-ce que en écrivant en français, je pense que chacune fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. L'essentiel n'est pas tant le médium, c'est plus ce qu'on a à dire et de trouver la forme, les mots nécessaires pour être entendu. Vous savez, quand on parle, on peut dire énoncer parfaitement les choses, mais on sait très bien que la personne ne va peut-être en entendre que 80%, en comprendre que 5% et en retenir que 30%. Et on aura beau parler, si on ne parle pas à quelqu'un et qu'on ne parle pas de façon à ce que l'autre l'entende, on n'aura fait que la moitié du chemin. Donc c'est pour ça que je suis vraiment foncièrement attachée à l'oralité, non pas comme quelque chose que j'ai laissé derrière moi et comme si l'accession à la littérature était un progrès. D'ailleurs, mon recueil de poèmes s'appelle « Après le progrès ». Pourquoi ? Quand j'ai grandi au Rwanda, on avait le slogan, je ne sais plus comment ça s'appelle, comme liberté, égalité, fraternité, nous, c'était paix, unité, progrès. Arrive la guerre civile du début des années 90, il n'y avait plus de paix. Arrive le génocide, il n'y avait plus d'unité, puisque le processus était vraiment de séparer les frères rwandais. Et à la fin, je me suis retrouvée uniquement avec le progrès, ce progrès qui, dans les pays, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, je n'aime pas du tout ce mot, mais c'est les pays des Suds, pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, on nous surinait qu'il fallait aller vers le progrès parce que nous étions sous-développés et que nous n'étions pas des personnes évoluées. D'ailleurs, les gens qui étaient à l'école française, qui étaient allés à l'école coloniale, on les appelait les évolués. Et donc, il y avait cette idée de progrès qui devait être le parangon, qui devait être le bonheur absolu. Et un siècle exactement après cette arrivée du progrès qui a été amené par les colons belges, on avait ce génocide. Et donc, tout mon questionnement, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant après tout ce progrès ? Peut-être qu'il est nécessaire, peut-être qu'il est salutaire, et c'est ce que beaucoup de Rwandais et de Rwandaises ont fait, de revenir à nos histoires d'avant, à notre culture, à nos contes, et d'aller chercher là
non pas l'âme de notre peuple, mais en tout cas ce qui fait sens pour nous et qu'on le partage. Et ça passe effectivement par ça. Donc c'est constamment des allers-retours entre ce français dont il ne faut pas, il ne faut pas le rejeter, mais se l'approprier, y faire son nid, mais toujours faire ces allers-retours entre l'un et l'autre, et surtout le faire dans une oralité assumée. D'accord. Alors, c'est formidable, Béata, que vous nous parliez de partage, et je voudrais justement, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, que si cela est possible, qu'on puisse partager avec vous l'un de vos textes, si vous voulez bien nous lire l'un de vos textes, le partager avec notre public ici présent. Sheymous aussi, bon, c'est un texte qu'on pourrait partager juste après. Alors, je vais vous lire un poème et on verra si j'ai le temps de lire un extrait du roman parce oui. que le roman a été écrit après la poésie et du coup c'est un roman très poétique. Je pense qu'on va quand même prendre 10 minutes parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Oui. 5 minutes pour les lectures et 5 minutes pour 2-3 questions dans le public. Voilà, oui. Alors un poème extrait de Après le progrès. Sois discrète, tu ne devrais pas être là. Laisse les regards te traverser. Deviens insensible aux mots sournois. Tu es la fille, n'oublie pas. Évanouis-toi quand on te scrute. Envole-toi en fumée, disparais. Fonds-toi au milieu de la foule. Laisse-la t'avaler. Si elle te cache qu'elle te hait, cache-lui donc que tu le sais. Croise tes jambes, croise tes bras, baisse d'un ton, ferme ta bouche. Ne laisse pas traîner tes ongles, tes cheveux, ton odeur, brûle tout. N'as-tu pas honte ? Ne sois pas effronté. Là, il n'y a rien, n'y touche pas. Agenouille tes yeux, sois sage. Lis autant que tu voudras, dans la pénombre. Mais ne va rien t'imaginer. Tout doit rester entre nous, à l'intérieur. Sois poli, ne pose pas de questions. Sois gentil, ne tente pas d'être joli. Tiens ton bras, courbe-toi quand tu salues. Ton cou, ton nez, tes jambes, habille-les. Reste derrière, devant on ne verrait que toi. Ne chante pas, tu te ferais repérer. On ne voit que moi. L'ombre de ma peau fait trop de bruit. Tu as dit que je chantais faux. Article 1, tais-toi. Article 2, tais-toi. Article 3, tais-toi. Article 4. Un jour, je dirai de la poésie. Un jour, le soleil avalera la nuit. Ça, c'était un texte qui était inspiré d'une nouvelle de Jamaica Kincaid et d'un poème de Léo Ferré. Ben, merci, c'est une belle révélation en tout cas, et c'est de la belle poésie. On peut prendre encore voilà, un court extrait. Alors, un extrait du roman « Tous tes enfants dispersés » qui parle du sujet qui nous intéresse. Pourquoi dit-on encore « langue maternelle » ? Cela faisait sens quand les mères restaient seules à l'intérieur à nourrir de son le nourrisson pour le guider dans ses premiers babilles. Quand les mères des mères et leurs tantes et leurs sœurs formaient un cœur de voix, oiseaux voltigeants, prisonniers d'une maison gynécée, caressant les oreilles de l'enfant, d'elle aux dessins, aux couleurs sans cesse virevoltantes. Les intonations, ronds, irisés, les accents, striures symétriques, les du dessus, les roulements du dessous. L'enfant apprenait à tisser un lien sonore entre le doigt qui pointe et l'objet encore flou à ses yeux, entre le rire et son origine, à différencier le silence apaisé peuplé des onomatopées du repos. Ah oui, le labeur est fini, et le silence lourd de réprobation ou de dépit accompagnant les aux dents sucées, lèvres avancées, sourcils froncés, oiseaux de nuit au mi-temps du jour.
Pour la mère de Stockley, ça ne s'était pas passé ainsi. Quand le père et la mère ne partagent pas la même langue maternelle, laquelle l'emporte ? Blanche n'a goûté à la langue de sa mère que par accident, faute de mieux. Immaculata n'avait pas envisagé cela. Pour libérer sa fille de son africanité, elle lui tressa une échelle de mots bien blancs. Dès sa naissance, elle plongea sa fille dans un bain de français, ne se laissant jamais aller au moindre écart indigène. Le père, qui n'avait jamais maîtrisé aucune autre langue que celle de Marianne, et le regrettait, lui suggérait pourtant de lui donner les clés du parler local. Fais-lui entendre le Kinyarwanda. Elle va grandir ici et qui sait peut-être un jour s'y marier. Cette éventualité effrayait la mère, elle qui avait réussi non sans peine à s'extraire de sa condition. Il était hors de question que son enfant lui ramène en arrière en aimant un aussi noir qu'elle. Blanche se devait d'être comme son nom l'indiquait, parlait parfaitement le français et plus tard pourquoi pas aussi l'anglais pour aller voir les Amériques, mais en aucun cas être en mesure de communiquer avec les domestiques qui risquaient de la contaminer avec leurs pensées arriérées. Ne pas comprendre le petit peuple la sauverait de leur damnation, de la vie sur la colline sous le soleil et sous la même pluie depuis des siècles et des siècles. Et tant pis si cela l'isolait aussi de la sagesse acérée du grand-père, des proverbes savoureux de la grand-mère. De toutes les façons, dès sa majorité, c'était déjà décidé. Elle irait suivre ses études en France, parfaire son accent, sa culture et épouser un vrai blanc avec lequel elle concevrait, pour le plus grand bonheur de sa mère, une descendance toujours plus diluée. Merci infiniment, Beata Sheamus. À vous l'honneur pour nous faire rêver avec l'un de vos beaux poèmes. Merci, merci. Alors, vous disiez par rapport à la... Logos Pathos, dans le Logos, il y a du Pathos, et dans le Pathos, il y a du Logos, normalement. Et donc, quand j'écris, je ne mélange pas les langues. Mes textes kurdes sont que en kurde, les turcs sont que en turc, et les français ne sont que en français. Après, c'est le titre d'un des recueils de Breton, Les vases communiquent, à notre insu, sûrement, donc il doit y avoir des choses qui se passent. Du coup, je vais pour un peu rendre hommage à ma mère et à sa langue, je vais vous lire un texte en kurde. Je ne vous lirai pas la traduction, vous partirez avec les sons. Vous nous ferez rêver avec les sons. Göremen, roka vidoricho, le novo dorema vakatina, dujmeneta prn, dujmeneta le raforo de frn, bedoro de kavn, klameta le sergulier doro de shedinen, sauteta be gupala, lo göremen, le bere rye bedardechen. Berima le bericho vagerna göremen, tjavecho de malada mhla, دینه خا گنیمکه بکرکر که چولا دلی خا لگوه جوتارا را آفده لکوچیکا را لکوارا سوته خا بهلکینا کووتا لسفره خا تالکه مرنه بفرنه لپره روی را گره من دجمنه خا هولکه ناکوا سوته ممر امه کورکی بسر گوریا و مراردنی راونی هنی لبر رفا شوره خا لسی سارکا کنی گری خا لپره دینا دجمنه تا پرن گره من Va gra le serie ma, le serie bave bave ma, va gre gra, va gre que pajmurdam han le barbe d'ashta, ame arde ganibekin bivigari ha, de jmene magi el barvigari befren, berue rab bhakaven warne ser mazala, de jmene magi el vigarina koremen, kalame ha le desti ha beshedina, gauri ha tjika le chave kavota, le chave dia de jmene te meri, shunda le rue vagara, le kanya sauté ha. نا امه چطول و خوی خا لبره و رویه بدرخن و کزوی خا لبر نیزاوی کوچکی روکن امه تل کیجان آلیه دل خا وگرنین کرمن ایوارا ایوار سارا
le Gona et Bara, le Tchouge Jamedi, le Tchave, Dejmene, Te, Chaviti et Vara, Warakam Merne, Ha, Garmbeken, le Viali, Kam Dejmene, Ha, le Merneken, Beber, Ava, Tchouge, Jamedi, Da, Barden. Ve Gurle, le Tchavi, Ha, Bedarcha. Ave, Ha, de Sarunje, de Sarunje, Saure, Ha, Da, Behedina, de Dane, Ha, Halkeshin, El Barvikuchki, Saute, Ha, Beshikaftka, Tarika, Tari, Ha, Bemharka, le Tina, Ma Vagarina, Dejmene, Ma Pren, Goremen, Ash, Evara, Taren, Shavuke, Ma Behize, Behive, Hazonak, Vedechen, Vigarit, de Tchave, Maka, Be Avaka, Suver, Al Dari, Ma Bedarcha. Maria, le Kavri, Hawerdan, Nar, le Sarve, Gole, Goremen. Maria, Kavri Kha, Datini, de Kinav, Khawe Kha, le Barve Gole. Tchave Madarketun Chun, Tersa Mabern Dani, le Barve Dina. Ame, le Pashia, Rueni Koremen, Hatene, ma Shabat, al Shabat et Shavara, Tchav Rashemen, pour Parchamemen, Gundi Kha, le Vi Alie, Raka, le Vi Alie, de la Mei Hopan. Amge Roke, le Bar Shivaka, Sarbeminen Koremen, Purupura, de Jmenetaya, le Sartashtam et Saï. Merci. Merci infiniment pour ce voyage. Ça ferait plaisir à être long voyageur. Hein? Voilà. Donc, juste pour interagir aussi un peu avec la salle, il y a un monsieur qui avait demandé la parole depuis tout à l'heure. On va prendre encore 2-3 minutes. On avait commencé donc à 16 heures. Donc, on respecte, on est toujours dans les temps. Je me présente. Belousaïef Abdarzek, je suis poète, économiste. Bon. La poésie, pour moi, c'est, elle radoucit les mœurs, c'est cette sonorisation, cette oralité, ce beau rêve. C'est grâce à ce rêve qu'on vit, que la vie continue. Ça, pour, disons, la poésie, c'est, on ne peut pas écrire la poésie sans lire autant d'ouvrages des grands poètes, Baudelaire, enfin. Je vois le poète avec cette oralité comme c'est un acteur sur scène avant de, disons, de jouer la pièce et tout ça. Il est devant un miroir. Le miroir, ça, c'est les spectateurs, c'est l'assistance. Il s'exprime. L'acteur, il s'exprime. Le poète doit s'exprimer avec les gestes. Prenons un exemple. Lorsqu'on parle d'amour, on fait les gestes. Tout le monde comprend, même quelle que soit la langue. Ça, c'est une dernière, disons, à propos du sophisme. Vous avez, monsieur le poète, vous avez évoqué Rumi. Il ne faut pas oublier Shamsuddin Tabrizi, qui est le père, je dis bien le père, le fondateur du sophisme. Lire Shamsuddin Tabrizi en perse, en anglais, après en français, après en arabe, c'est formidable. C'est parce que le sophisme, c'est la montée de la terre vers le ciel, pour chercher la liberté, pour chercher la vérité plutôt. Et la mort, c'est un bonheur pour les sophistes. C'est cette ultime sagesse. C'est ça. Donc la poésie, elle fait le monde avec le beau, comme a dit Chang, un Chinois, avec le beau, on construit le beau. Pourquoi on construit le beau? Pour chasser cette monotonie, cette routine, cette médiocrité. Parce que la poésie, c'est sublime. Toutes les langues, je dis bien toutes les langues, ont une vocation. Vraiment, si on arrive un jour à que les langues, à ce qu'on appelle à avoir cette intersection, c'est vraiment, on arrive à intersection, enfin des mots et des lettres, ce que vous voulez, on arrive à ce qu'on appelle à l'excellence. Ce qu'on cherche, ce que cherche le poète, c'est l'excellence. L'excellence, c'est ce temple-là, merci. Là où il y a les beaux, où là il y a les, ce qu'on appelle les mots dorés et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre remarque enrichissante. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques dans la salle rapidement.
S'il n'y a pas d'autres remarques, je voudrais juste un petit clin d'œil très rapidement pour Yvon Lemaine, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et qui adore partager les textes. Et sur France Culture, il avait partagé donc, un petit texte aztèque donc, qui dit en s'adressant à Dieu, donc à un Dieu, pas à Dieu, à un Dieu particulier, « Nous ne nous estimons pas plus qu'une fleur et nous fanerons, nous, tes amis. » Rien de très réjouissant, me direz-vous. Et la prière de se poursuivre, que sommes-nous pour toi, ô Dieu ? Ainsi vivons-nous, ainsi sur les lieux mêmes de la disparition, irons-nous nous perdre, nous les hommes ? Où donc nous faudra-t-il aller ? Cette question qui hante donc Yvon Lemaine, oui, où nous faudra-t-il aller ? En tout cas, la littérature et sa langue et sa poéticité nous offre un monde qui lui est propre, ici et ailleurs. Voilà, merci beaucoup pour votre patience et d'avoir été là, de vous être déplacé pour nous écouter. Merci. Merci à toi. On prend une petite pause rapide et puis je vois justement les participants du panel qui va suivre. Donc très rapidement, 2-3 minutes et on va reprendre avec Samia Kassab Sharfi et ses invités.